Poufouf YouTube, comment allez-vous? Rage Super, partie 2 sur le jeu The Technomancer, comme d'hab, description pour plus d'infos et on perd pas de temps, on est parti de suite pour la suite. Alors attendez, parce que Papy est en train de prendre un peu cher. Mec, pas trop de moi, cette structure peut être un labyrinthe. Ok, non mais t'es en train d'y passer aussi vieux là, hein. Je préfère te le dire. Alors, voyons voir, donc là on en est là. On peut se faire des petites armes et tout, mais bon, pour le moment, je sais pas trop. On peut se faire des habits. Alors, attendez. Oh, ok. Oh, c'est pas mal, carrément. On voit les ajouts qu'on fait et tout. Résistance à la magie. Améliorée. Bon, forcément, j'ai pas assez d'ingrédients. Oui, c'était là. Il me faut des pièces de métal et du cuir. Ok. Je peux améliorer les bras aussi. Ok, au niveau des bottes, je pourrais peut-être avoir des bottes de technomancien. D'accord, avec des protections et tout. Qui, résistance à l'électricité, plus 4%. Alors, résistance à l'électricité pour quelqu'un qui a l'air de gérer la force, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Let's go again, les gars, je suis ici pour vous. Ce soir, c'est cadeau. Attends, c'est bon, on me tire dessus, là. Oula, on se fait tirer dessus, chef. Attends, je m'attaque à celui qui a un flingue. Ok, alors, toi, vite, putain. Oh là là. Allez, venez vous battre derrière le caillou. Voilà, déjà, on va s'occuper de vous. Oh non, je suis mort. C'était fait exprès, c'était pour vous montrer ce qui se passe quand on meurt. Ok, carrément, c'est dur. Donc on était sur le vieux dôme, hein. On est reparti, patati, patati, patata, hein. Ne vous inquiétez pas. On reprend d'ici. Ok. Allez, bonjour. Voilà, alors là, je les lock. Attendez. Parce que... Eh, ils sont à deux sur moi, là. Non, mais sérieusement, là, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui est dérangeant? Allez, boum. Un petit peu d'électricité. Ça fait pas de mal. Voilà. Donc cette fois-ci, je les lock. Allez. Oh! Pas mal, maître Jedi. Pas mal. Allez, go. Ah, c'est cool, il a récupéré toute sa vie. Parfait. S'il commençait un peu à fatiguer. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Nice. Maître Jedi, j'arrive. Ah, parce que le maître Jedi, il perd de la vie assez vite. Voilà. Hop là. Oh là là, il fait mal. Attends, on se fait déjà tirer dessus ou pas? Allez. Oh merde. Allez. Évitement. What? D'accord, l'autre, il utilise l'environnement et tout et... Bon, tu vas pas faire chier, tu meurs, s'il te plaît. Attendez, je crois qu'on va remourir. Allez, nique-lui sa race. Ça, tu l'as laissé fuir, il va aller prévenir ses potes. Oh oui. Attends, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh putain, il a régène sa vie. Mais non, mais je suis pas d'accord avec ça, moi. Attends, c'est où la vie? Injection de soin. Putain, je vais mourir. Non mais c'est pour vous montrer un petit peu comment le jeu est bien fait. Vous voyez, comme ça on peut mourir plusieurs fois. C'est normal, c'est des tests, je teste différentes choses. Ok, bon alors toi je vais te défoncer ta race. On est parti. Voilà. Non mais dis. Ça, genre ça voulait pas passer les gars. Prochaine fois je te draine ta vie, on va voir ce qui se passe. Ah ok, carrément la vie remonte toute seule, ok. Alors là on fait ça, mode discretos. On va essayer de prendre l'avantage. Voilà, tu ne m'as pas vu. Boum! Bonjour! Bonjour, messieurs! Hop là. Voilà, je me débrouille quand même beaucoup mieux qu'avant. Hein. Oh là là, elle a bloqué. Elle a bloqué sur son ulti. Boum! C'est bon, maître Jedi. Putain, c'est ouf les effets que ça fait avec les éclairs et tout. Il n'y a pas de drop, rien du tout. Le jeu reste fluide et tout, c'est agréable. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la moche. Bonjour les enfants. Hop là, allez, venez ici. Maître Jedi. Ok. Alors moi, je me focus sur l'autre, là.
Allez, faut se focus, c'est lui qui a une arme, c'est lui qui fait chier. Voilà, parfait. Lui, il est mort. Oh là là, c'est quoi tout ce monde? What, 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 what? Je dois me concentrer quand je joue. Ok, on est reparti, les gars. On lâche rien, on est reparti. Non, mais je galère, c'est un truc de cinglé. Je suis déjà mort deux fois hein, depuis la mort que vous avez vue. Hein. C'est vraiment un truc de cinglé. Regardez, le vieux, il va mourir, là. Putain, il est mort. Qu'est-ce qui se passe si le vieux, il meurt? Ah, mais je suis tout seul. Vas-y, Taïo, on se taille, on se taille, on se taille, on se taille. Le vieux, on se taille. Le vieux, on se taille, on se taille. On se taille, le vieux. Non, mais attendez, on va essayer de se barrer. Non, mais sérieux, c'est vraiment ultra chaud. Oh, je n'arrive pas à le faire. Alors, et le vieux, je l'ai abandonné. Ah, ok, on n'est pas obligé de se les fight. Ouais, c'est vraiment super chaud. Si vous essayez de faire tous les ennemis, c'est vraiment galère. Oh là, il y a un truc bizarre dans la montagne. C'est une bestiole. Et je pense qu'elle mange des hommes, à mon avis. Oh là 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 là. Déjà qu'avec les gars, je galère. Alors là, je vous raconte pas. Ok, on est parti. On va donc défoncer les bestioles. Ok, donc je vous avais dit, il y a un bestiaire assez sympathique. Donc ça, c'est des grosses crevettes mouches. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça va, ça se grille assez vite. On est niveau 3. Ouais, alors attends, on va se faire un truc. Un petit peu en mode guerrier, là. Allez, boum. On va améliorer, je pense, tous les niveaux 1, parce qu'il y a vraiment en galère. Ouais, non, j'ai pas de casque, mais je crois que j'ai trouvé des chaussures. Nice, plus 2. Parfait. Ah, si je mets ça... Ah, là, j'ai une régénération de fluide et tout. Si je mets ça, j'ai plus 2 en je sais pas quoi. Mais je perds en régénération aussi. On va garder plutôt les trucs de technomancien, je pense. Ce sera plus stylé. Par contre, au niveau de la vie, j'en ai quasiment plus. À force de... Excuse-moi, j'écoutais pas ce que tu me disais, vieux. Non, c'est par là-haut. Par contre, j'ai quasiment plus de trucs de vie. Voilà, faut le savoir. Ça commence à devenir difficile, quoi. Alors, voyons voir. Ah, là, on doit... Attends, est-ce que si on doit aller là-haut, c'est... Ouais, je voulais aller de l'autre côté pour fouiller. Tant pis. Accessible only to the combined energies of two technomancers. Ouais, ça sent un piège et j'ai pas confiance. Il va me faire un ktcha. Et puis après, voilà. Allez, boum! Puissance infinie! Stargate SG1. Attention les animations. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Let's go, boy. Vous avez vu comment il marche? Il roule des épaules comme je sais pas quoi, on dirait un cowboy. Atteindre la salle principale. Ok, bon, ça devrait pas être trop compliqué, je pense. Enfin, je dis ça, mais... Allez, viens ici. Petit grillon. Oh, putain, il y a une grosse bestiole, là. Ah, ça va, ils ont pas l'air... Ok, donc je peux me faire empoisonner. Alors, ils ont pas l'air d'aimer ma puissance électrique. Oh, vous avez vu la taille des bestioles, là? Allez. Raid. Je crois que ça s'appelle comme ça, le produit pour tuer les insectes. Enfin, les moustiques. On dirait des gros moustiques. Voilà, on est des placements de produits pour Raid. En fait, c'est un jeu pour faire vendre des raquettes électriques pour tuer les insectes. Bonjour. Eh boum, mais j'ai trouvé direct où il fallait aller, les gars. Alors, est-ce qu'on va avoir une un souvenir sur notre passé? So alive, my heart's racing, and I feel like I take on the world. And I'm being honest here, it's a bit overwhelming.
Subject self-report is consistent and substantiated with our measurements of him and other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to the mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man. Talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers, speaks of the first technomancers. Shocking, perhaps. Where did you think our abilities came from? Divine power? God power. But we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us, unifies the technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. Ah, c'est pas tout rose, quoi. C'est pas tout rose. I have been through this as well. So have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now. More so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged. For we will no longer be able to hold initiation trials here. Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so they must have reached lower in the dome. Then that's where we must go. Mm-hmm. I will divert the attention of these creatures. At the base of the dome, you will find their entry point. Ok, ok. Putain, je lui fous la lumière dans la gueule, là. Maglight in your head. Fort bien. Let's go. Fort bien, fort bien. En fait, on a une sorte de mutant... mutant bizarre amélioré. Boum. Donc, sur Mars, il y a des crevettes bizarres. Faut le savoir, hein. C'est pareil... je sais pas si votre père travaille... travaille dans le milieu. Voilà, vous lui direz... écoute, papa... Ray, il a dit qu'il y avait des crevettes... crevettes... moustiques roses géants. Fais gaffe, hein. Fais gaffe à toi. Allez, go. Je suis sûr qu'il y a un coffre, non? Non, j'ai pas envie de descendre, c'est gentil. Moi, je vais aller direct au fight. On va aller tuer des bestioles. Bonjour! Ouh, qui? Je t'avais pas vu, toi. Boum! Oh, le niveau 4. Alors, bien évidemment, c'est un RPG. Donc, le but du jeu, c'est d'être... De monter, bien évidemment. D'ailleurs, c'est en partie pour ça qu'au début, je m'étais fait défoncer aussi vite, je pense. Bah c'est tout simplement parce que je me faisais rouler dessus quoi, tout simplement. On va sauvegarder parce que j'ai pas sauvegardé depuis le début, donc disons que si je crash, je serai très 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 déçu. Ouais, bon, je fais deux sauvegardes toujours au cas où, on sait jamais. Ok, on est parti. Allez, go. Oh, attends, il y avait un truc de craft là, parce que entre nous, j'aimerais bien me refaire des trucs de vie, moi. Injection de vie. Combien je peux en faire? Ah, j'ai pas assez de sérum, merde. Fais chier. J'ai pas assez de sérum. Le sérum, je le chope sur les mecs. Je suis obligé de prendre leur vie, je crois, pour avoir du sérum en plus. Alors, il est le gros. Ah, il est là. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de... Oh, berk. Oh là là, le one-shotage. Le one-shotage de compétition, quoi. Là, c'est du farm easy-peasy, ici. Hein. Attends, c'est pas du tout là où il fallait aller, en fait. Où c'est que je dois aller? J'ai oublié. Je dois descendre, non? Ouais, je dois descendre. Bon, très bien. Allez, go, descendons. Oh, raté! Allez, go! Cible là, parce que je vois que t'étais en train de galérer, là.
On va se faire les bestioles ici. Allez, rapprochez-vous, s'il vous plaît. En fait, c'est des Magikarp, les machins. Quand ils sont tout petits, ils servent à rien, mais quand ils évoluent en... Le truc qui crache du venin, là, ça devient un peu plus casse-couille. Parfois, on descend. Ouh là là, il y a de la bestiole en bas. Hein. Le jeu est magnifique. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais le jeu est vraiment magnifique. Allez! Viens ici. Allez, hop. On tue les Magikarp. Voilà, les Magikarp sont tués. Maintenant. Ok, on va aller au fight. Alors, on va s'attaquer direct au gros. Allez. Allez, allez, reste pas devant. Allez, boum. D'accord, donc là, c'est un mix entre les deux. Celui-là, ils attaquent. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est tout. Ça sent la grosse bestiole qui va sortir du sol. Regardez. Ou qui va sortir du truc. Un énorme bazar, là. La reine. Oh, punaise. Berk. On dirait Lost Planet un petit peu. Ouh, Dark Souls 3, bonjour. Oh non, les gars, sérieusement, je vais devoir me battre contre ça. RPG, bonjour. Oh là là. Le roi moustique. Mon dieu, sa race. Sauvegardons. Allez, bâtard, je peux pas sauvegarder. À mon avis, je dois lui taper le cœur, je pense. Ah si, je lui ai fait un peu de dégâts. Ok, c'est une grande menthe. Dégage! Oh merde. Ah, je crois que je pourrais pas jouer à Dark Souls, à mon avis. Allez. Allez, allez. Allez. Allez, pouvoir électrique dans ses burnes, pouvoir électrique. Attention. Ah d'accord, il y a des petits et tout. Merde, je suis bloqué. Je suis bloqué. Oh, le petit sort d'où. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. On va y arriver. Donc, il faut... Moi, je joue très rarement au RPG. Ça veut dire que j'ai pas forcément la bonne technique pour approcher ce type d'ennemi. Mais je pense qu'il faut déjà que je clean les petits autour et qu'après que je fasse le gros. C'est ce que je n'ai pas fait. Voilà, donc on va s'attabler là-dessus. Alors ça, par contre, ça peut être pas mal. Parce que... Attends, on s'occupe du gros. Parce que les RPG, c'est cool. Mais quand il y a un bestiaire sympathique, c'est encore mieux. Et quand ils sont beaux, c'est encore mieux. Et là, le jeu, il est beau. Et le bestiaire a l'air quand même assez sympa. Vous avez vu la bestiole qui est sortie, là. Ça donne qu'une envie. C'est d'en manger ce soir. Bon. On y croit, les gars. Bon, autant vous dire que si j'arrive pas à le tuer, on n'ira pas plus loin dans le jeu. Hein. Allez, viens, vas-y. Passe les préliminaires. Je sais très bien à quoi tu ressembles. Allez. Voilà, on va déjà faire ça. Nous, on va déjà s'occuper des bébêtes, là. D'accord, donc il tape que devant lui. Son point faible, c'est peut-être derrière. Il met du temps à tourner. Ok, je suis pas obligé. Oh, par contre, il a un gros dard derrière, là. Vous avez vu son dard? Ok, on apprend les patterns à la Dark Souls, les gars. Je vais vous rendre fier. Je pourrais dire, putain, Rai est trop bon. Ok, alors on apprend les patterns. Ouais, je fais quasiment pas de dégâts, là. Je crois que je fais même pas de dégâts. Voilà, je passe là. À mon avis, il faut vraiment que je lui tape... Ok, il fait ça. Je pense qu'il faut vraiment que je lui... Ah si. Non, je fais pas de dégâts, je crois. Hein. J'ai pas l'impression que je fais des dégâts, en fait. Voilà, il fait ça deux fois et après il arrête. Après il tape devant. Voilà, il fait... Ah parfait, les petites bêtes, elles sont là. C'est les petites bêtes qui m'avaient... Aïe. C'est les petites bêtes qui m'avaient saoulé la fois d'avant. Alors on se remet là. Comme ça j'ai rechargé.
Voilà, pas assez de fluide, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on se met derrière. Les gars, je prends mon temps, hein. Oh non, à mon avis, je fais pas du tout de dégâts quand je fais ça, si. Oh là, un tout petit peu. Sors d'ici! Sors d'ici! Ah, putain, l'arène, elle est toute petite en plus. On se fait le petit. Oh là là, l'arène, elle est toute petite! C'est quoi cette arène, sérieusement? Ok, alors, il lui reste encore beaucoup de vie quand même. Il me cherche. Parfait, il attaque devant. Ah, je peux peut-être lui faire un peu de bobo en faisant ça. Oh, je vais prendre cher. Allez. Ah, si je tape là, là il aime pas, là il aime pas, là il aime pas. Quoi, t'es encore là, toi? Vite. Aïe. Il est derrière moi. Oh non. Je galère tellement. Je sais pas si je vais réussir à le passer, honnêtement. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus loin dans le jeu. Parce que là, il va vraiment me falloir du temps pour le farmer, je pense. Je vais essayer de le faire, les gars, pour vous, hein, mais... Ça va être difficile, je préfère vous le dire. Ok, donc j'ai réussi à faire les petites bestioles. Là, il va arriver. Et on est parti. Mais bon, ça va être chaud, je sens. Donc là, il me cherche. Oh là là, je vais jamais y arriver en faisant juste des petits gouttes d'électricité, je pense. Là, il fait ça. Après, il tape sur les côtés. Non, là, il tape... Donc, il fait 3 fois devant. Il fait 4 fois devant lui. Il est bugué, là. C'est pas possible. J'ai encore des trucs à améliorer, moi? Non. D'accord, ça met pas le jeu en pause. Ok, très bien. Ah, attendez, on va essayer de lui caresser les couilles. Ah ouais, si, en fait, je lui fais des dégâts, mais c'est genre ultra léger, en fait. Ok, ça marche. Quand je le touche, il s'énerve comme ça. Quand je le touche, il s'énerve. Donc là, faut pas que je le lock, je pense. Faut pas que j'essaye de le locker. Oh là là, c'est tellement fluide. J'espère que sur YouTube, ce sera fluide aussi, hein. Parce que c'est vraiment super fluide. C'est quoi, on va prendre le bâton sinon. J'aurais peut-être une meilleure portée. Aïe. Ok, les bestioles, les bestioles, les bestioles. Nice. Là je one shot. Ok les gars, vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça bien. Ici, tata, y a pas de problème. On va essayer les gars, on va essayer, on va essayer. Le roi scorpion. Ok les gars, là on est bien. J'ai réussi à défaire la première vague d'ennemis. Et je continue de lui taper dessus. Alors je lui fais des tout petits dégâts. Mais bon. Au moins, pour le moment, ça a l'air... Oh c'est chaud, attendez, je vais me remettre derrière. Oh je suis devant, je suis devant, je suis devant. Aïe. Oh putain. C'est bon, j'ai réussi à le passer. Au moins pour le moment ça a l'air d'aller en fait. Je lui fais des petits coups ici là. Voilà. Merde, c'était 3 qu'il fallait que je fasse pour la vie. Ah le con. Voilà. Et réélectrique moi ça. Putain. Oh putain, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Bon allez les gars, j'y retourne. Je vais essayer de vous vendre du rêve. Je viens de découvrir un... Je viens de découvrir un truc. Quand il fait ses assauts de côté, il fait aussi mal à ses petits. Et plus je tape, plus je fais des dégâts. Allez. Oh, c'est chaud. Art du bâton. Hop là, le petit succès qui tombe. Vous voyez, quand il fait ses gros coups, il tue même ses potes, en fait. Il tue même ses petits bébés. Donc ça, ça peut être assez sympa, ça. Vous voyez, il a déjà perdu de la vie, le bazar, alors que je l'ai même pas touché encore. Voilà. Là, on se met là. Là, on tue les petits... Oh. Et en stream, il va être génial le jeu là à faire en stream. Il va être vraiment génial, génial, génial. Ça va être ouf. Un petit tir de Dark Souls avec des grosses bestioles et tout. Enfin, c'est stylé, je trouve, se battre comme ça contre des gros monstres. En plus, en fait, j'ai compris un petit peu comment ça se passe. Faut pas se précipiter en fait.
Il faut mériter les... Il faut mériter les petits coups. Là, vous voyez, là, ils se sont pris des dégâts à cause du monstre. En fait, il faut mériter les dégâts. Ouh, chasseur de monstres. Les petits succès. Allez, go. Là, faudrait que... J'essaye de faire un peu de dégâts. Allez. Putain. Par contre, je peux mourir, je peux mourir. Je peux toujours mourir. Oh, le retour, il pique. Non, c'est bon. Ok, et le retour, il pique. Là, quand il fait un coup à gauche, un coup à droite, ça fait super mal. Ok, je viens d'utiliser ma dernière potion de vie. Il est quasiment près de la fin, mais c'est pas fini. Donc là, les gars, c'est chaud. Faut que je fasse gaffe. Mais c'est chaud, mais faut que je fasse gaffe. Oh putain, ce putain de bestiole. Wachou. Oh putain. Vous voyez, c'est chaud, il y a les bestioles de partout. Oh putain, j'ai merdé la vie. Oh là là, j'ai merdé ma vie, j'ai plus de vie là. Si je me prends un coup d'une bestiole, c'est la fin. Faut que je me remette derrière lui. Normalement, la vie remonte toute seule, je crois, au bout d'un moment, mais je suis pas sûr. Faut que je fasse gaffe aux petites bestioles. Parce que là, c'est les petites bestioles qui peuvent m'enlever de la vie. Putain, derrière! Mais la vie, elle remonte pas! Oh là là, les gars, c'est horrible. Je suis pas habitué à ce style de jeu. Je sais pas si je vais réussir à le faire de suite. Hein. Si je rate, on arrêtera là. Je retesterai plus tard. Parce que on va pas se mentir. Je compte pas passer mon après-midi sur le jeu. Mais j'aimerais tellement réussir à le faire. Là vraiment, j'aimerais vraiment réussir à le faire. Regardez-moi toutes les bestioles qu'il y a autour, quoi. Je peux plus le taper parce que sinon c'est les petites bestioles qui vont m'enlever de la vie en fait. Et j'ai plus de vie, vous voyez, j'ai plus de... Je pense pas qu'il soit possible de le finir avec si peu de vie là. Oh là là, j'ai toujours mon petit pouvoir électrique. Mais ce sera pas suffisant, le petit pouvoir électrique. Je sais pas s'il peut me taper d'où il est, là. Allez, tue tes potes. Tue tes potes. Allez, tue tes copains, là. Tue tes potes. Oh là là, les gars, je sais pas du tout ce que ça a donné. Oh, oh non! Oh, Dark Soul, pourquoi? Imaginez si j'avais joué à Dark Souls, je vous raconte pas. Bon, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. Alors oui, vidéo un petit peu... Va-t-il réussir? Honnêtement, je pense que ça va être un très très bon RPG. Les monstres sont très sympas. Après, je sais pas ça va être quoi la durée de vie. Là, c'est le premier boss. Je galère comme j'ai l'habitude de galérer sur les jeux vidéo. Mais là, c'est vraiment dur quand même. Bon, on va se laisser là-dessus. On était sur The Technomancer, c'était la partie de description pour plus d'infos. N'hésitez pas à checker la partie 1. Et promis, on va essayer de tuer ce monstre, mais ça va vraiment être galère. On fera ça dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode, peut-être en stream sur Twitch. Bisous, chouchou, c'était un super.